Merci beaucoup d'être là. Moi, je suis très heureux d'intervenir dans ce séminaire. Je vais en fait vous donner un morceau d'un travail en cours dont je ne sais même pas s'il fait partie de ces cycles-là dont tu as parlé. C'est une réflexion en fait sur les rapports entre cinéma et poésie. Et poésie et politique. Je vais avoir un peu de difficulté à vous dire tout ça parce que il y a des choses à dire sur le film dont je vais parler, La Rabbia. Je pense qu'il est très utile de faire une analyse minutieuse d'un texte qui a juste précédé le travail de montage et qui s'intitule Il Trattamento, on dit en français le traitement, dans le vocabulaire du cinéma, pour dire comment je vais faire mon film. C'est donc le projet de Pasolini, c'est un très beau texte en prose. Et puis, pour moi, l'horizon de ça, mais j'aurai certainement pas le temps de vous en parler, mais je le signale, c'est tout à fait fondamental, c'est qu'avant d'avoir réalisé un film intitulé La Rabbia, donc il a travaillé en automne 1962 et le film est sorti en 63. Pasolini avait eu bien précédemment, au moins 3-4 ans avant, le projet d'un recueil de narratif qui s'intitulait La Rabbia, qui n'a pas vu le jour. Il y a des traces qui restent dans les œuvres complètes de Pasolini et surtout il y a un magnifique poème de 1960 qui s'intitule « La Rabbia » et qui mériterait une analyse, mais voilà, je n'aurai pas le temps de le faire là ce soir. Je vais déjà vous donner des indications qui émergent de ce texte programmatique où en fait Pasolini assène de façon parfaitement, comment dire, il ne prend aucun gant, il ne fait pas d'analyse philosophique, il dit contre l'État, le mot qu'il emploie, c'est la normalité. Contre cette normalité historique qui est le destin politique de l'après-guerre et de l'après-après-guerre, enfin années 50, années 60, contre cette normalité, il faut faire lever ce qu'il appelle une rabbia poetica, une rage poétique, qu'il différencie de la rage en tant que telle, puisque son ennemi politique, celui qui va faire un autre montage, hein, Guareschi, est lui aussi animé d'une rage, une rage qui n'est pas poétique. La rage poétique dans ce petit texte qui s'intitule donc... Attendez, je ne vais pas vous parler. J'essaye d'aller un peu... de donner les moyens, comme le demandait Giovanni, de la discussion. Voilà, je vais aller directement ici. Dans ce texte sur le trattamento, il est question de dire que la rage poétique consiste à faire lever ce qu'il appelle un stato d'emergenza, que l'on traduirait donc comme état d'urgence, un état d'urgence retrouvé devant l'histoire, mais qu'on pourrait tout aussi bien traduire comme état d'émergence, quelque chose qui fait énormément penser lorsque Pasolini en parle à ce que Benjamin pouvait appeler l'origine, le tourbillon. C'est-à-dire ce qui permet une nouvelle lisibilité de l'histoire au moment où ça, dans le devenir, ça tourbillonne. C'est exactement ce que le montage de La Rabbia met en œuvre. Un état donc d'émergence et d'urgence où toute chose réapparaîtrait sous le jour d'une vérité inaperçue. C'est ça que vise l'opération du montage dans La Rabbia. Sur un matériau visuel dont il faut bien dire au départ qu'il est, aux yeux de Pasolini, immonde.
c'est ce matériau de des actualités cinématographiques qui prend les allures de neutralité, qui élabore des disons des espaces idéologiques qui le révulsent. Mais voilà, toute la question est là. Comment on va faire émerger un état d'urgence, celui-là même que veut constamment étouffer cet état de neutralité que met en cause Pasolini, un état de neutralité. On pourrait penser d'ailleurs aussi aux analyses plus récentes de Agamben sur l'état d'exception, parce que Agamben fait un raisonnement qui ressemble pas mal à celui de Pasolini. Hein, pour bien des points, Agamben apparaît comme un continuateur de certains aspects de la pensée de Pasolini, l'état d'exception étant justement caché sous cet état de normalité, de la même façon. Pour aller vite, la rage poétique, selon Pasolini, elle est deux choses. Elle est poétique, je vais très vite. Ça veut dire qu'elle relève d'une décision quant au langage. C'est un acte de langue ou de langage, c'est une décision quant au logos. Et je dis bien logos parce que pour Pasolini, dans le texte du Trattamento, les poètes pensent. Ils pensent aux choses, ci pensano i poeti, ils pensent à l'histoire. Ils sont animés de rabbia intellettuale, ils sont animés de furia philosophica. Donc poésie ne veut pas, évidemment pas dire regarder toute chose sous l'œil attendri et du sentimental, mais poésie veut dire ici prendre au sérieux, pour aller très vite là aussi, d'un côté une tradition romantique qui fait de l'imagination, hein, Goethe, Baudelaire, etc., qui fait de l'imagination un outil de connaissance, et une tradition matérialiste, Brecht, Mayakovsky, qui fait que c'est poétiquement aussi que Pasolini va parler colonialisme, misère, racisme, antisémitisme. Deuxièmement, cette rage est également cette rage poétique, elle est poétique et elle est rage, c'est-à-dire pas seulement un acte de langue ou de langage, mais un geste de cœur, si je peux dire, ou de corps, c'est-à-dire une décision quant au pathos. Et ça s'observe dans l'intensité, dans la durée des séquences choisies, dans la rythmique, dans la dramaturgie. Et ce qui, moi, me frappe et me fascine dans ce film, c'est qu'il y a comme la mise en place d'une émotion de rime visuelle créée par le cinéaste sur un matériau documentaire, je répète, sur un matériau qu'il détestait, hein, en général, créant ici des contrastes déchirants et là des affinités appelant le contact. Il y a une attitude dans ce texte, le Trattamento, une attitude revendiquée, clairement dialectique. Il faut à la fois le distacco, le détachement qui observe, et la rabbia, la rage qui prend position. Il y a en même temps une position quant à l'intelligible et une position quant au sensible. Voilà, je passe les citations pour essayer de ne pas trop prendre votre temps. Le montage de la rabbia, c'est la mise en forme de quelque chose qui arrive dans la conclusion du texte de Pasolini, de ce Trattamento, donc je vais un peu vite. Et lorsqu'il dit que l'histoire contemporaine est une histoire tragique et une histoire de division. Une des dernières phrases de ce texte, c'est pour dire que de cette division, et la division c'est padroni servi, les maîtres et les esclaves, c'est ceux qui sont eleganti et c'est ceux qui sont couverts de stracci, dit-il dans le texte. Je dis stracci parce que exactement à la même époque, Pasolini était en train aussi de travailler sur la ricotta, dont le héros s'appelle Stracci. Un montage pour mettre en forme une division politique, une division historique, je dirais même une division anthropologique, et un montage pour lequel Pasolini
revendique une attitude très particulière. Ça vaut le coup d'être signalé aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Pasolini commence par dire « Mon rôle n'est pas celui de l'artiste ». Très intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup matière à réflexion. Tout au moins, c'est ce qu'il dit à un moment donné dans une interview. Il dit « Mon travail a été journalistique plutôt que créatif ». Mon travail a été journalistique. Il n'est pas créatif. Pourquoi cette modestie ? Je pense qu'on peut l'aborder à travers la différence avec ce que Andy Warhol, dans sa série de Désastres, Disasters, faisait exactement à la même époque, en 1962. Et comme vous le savez peut-être, Andy Warhol est quelqu'un qui a énormément compté pour Pasolini dans la polémique. Hein. Il y a beaucoup de références à Andy Warhol, au cinéma de Andy Warhol, hein, notamment dans le texte magnifique sur le plan séquence en 67. Il y a un texte directement consacré à Andy Warhol en 1975 dans lequel Pasolini dit, je cite, c'est dans les écrits sur la peinture, le message de Warhol, c'est celui d'une unité sclérosée de l'univers dans lequel l'unique liberté est celle de l'artiste, qui substantiellement, en le dépression, joue avec lui. La représentation du monde chez Warhol exclut toute dialectique possible. Elle est en même temps violemment agressive et désespérément impuissante. Très grande critique de Warhol. Picturalement, moi j'aime beaucoup ça, mais l'attitude politique, en tout cas, elle est totalement différente. Elle est différente parce que justement, Pasolini ne va pas s'approprier, ne va pas faire. Vous voyez par exemple l'image que je viens de vous montrer, si vous voulez trouver la photo maintenant, vous devez payer des droits à la fondation Andy Warhol, mais pas au photographe qui a fait la photo. Vous voyez, il y a une appropriation même juridique de l'image chez Warhol, ce qui évidemment chez Pasolini n'a aucune raison d'être. La rabbia est revendiquée par Pasolini en fait non comme une œuvre, mais comme un essai. Il le dit, hein, un saggio polemico, un essai. Bien sûr, il y aurait énormément de choses à tirer. Moi, c'est ce qui m'avait permis de mieux comprendre le cinéma de Haroun Farhoki, d'un texte simplement génial de Adorno qui s'intitule « L'essai comme forme ». Je ne vais pas y revenir, mais c'est un texte magnifique qui rendrait compte de beaucoup de choses. Je rappelle quand même « L'Arabia, c'est 62 », le fameux essai cinématographique de Michael Rom intitulé « Le fascisme ordinaire », c'est quand même 3 ans plus tard. Les premiers cinétracts de Godard, c'est 5 ans plus tard. Et puis ensuite, Chris Marker, Pelléchian, Farhoki, Janikian, etc. etc. J'ai l'impression que Pasolini a, pour ainsi dire, pris au mot des indications qui viennent du passé. Il y a un très beau livre sur la rabbia publié par la Cinémathèque de Bologne. Il y a une toute petite exagération, je pense, quand Roberto Chiesi dit qu'avec l'Arabia, on assiste vraiment à la naissance d'un genre cinématographique totalement nouveau. Je pense qu'il faudrait quand même resituer ça dans une histoire de plus longue durée. Et je vous donne 2 éléments. L'un, c'est Krakauer, 1931, qui a écrit un magnifique article à cette époque sur les actualités cinématographiques et qui dit ceci. Il y a quelque temps, une association cinématographique radicale, disparue depuis, avait tenté de mettre sur pied, à partir du matériau disponible dans les archives d'images, des actualités cinématographiques qui soient vraiment une plongée dans nos propres affaires. Elle a dû accepter les coupures de la censure et n'a pas fait long feu. Cette expérience nous apprend en tout cas que, composées différemment déjà, les images d'actualité cinématographique y gagneraient une plus grande, c'est dans le Voyage et la Danse, aux presses universitaires de Vincennes, on traduit par
il gagnerait par une plus grande acuité de vue. Il s'agit en fait du mot Schaukraft, alors traduisons littéralement, force de vue. Et cette Schaukraft dont parle Krakauer, liée à, donc à un montage alternatif, hein, cette Schaukraft, on pourrait évidemment la rapprocher, dans le cas de l'Arabia, de ce que Pasolini, dans son texte programmatique, appelle une rage poétique. Alors, sauf que Rabbia Poetica, c'est Poetica. Donc, le pas qu'on peut faire au-delà de Krakauer et de Adorno lui-même, ça serait de dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça ma question, en fait. C'est ma question. Je vais vous juste exposer cette question, ne pas vraiment y répondre. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour que l'essai soit un genre poétique à part entière, pour que l'essai reste un essai, au sens d'Adorno, au sens... voilà, mais qu'il soit considéré, qu'il puisse accéder au statut de genre poétique à part entière, jusque et y compris dans l'affirmation de ses rages et de ses indignations politiques. À la leçon de Krakauer, il faut bien sûr ajouter la leçon de Brecht, je le dis rapidement, que Pasolini a beaucoup lu, Brecht, qui n'avait pas hésité, comme vous le savez, à monter les documents photographiques de la Seconde Guerre mondiale dans un contrepoint poétique, hein, ce sont les quatre petites lignes que vous voyez en bas, d'épigrammes, forme poétique, forme littéraire très ancienne et funéraire, qui en doublait la signification factuelle, puisque la signification factuelle, vous la... Elle est énoncée en quelque sorte dans la légende de la photographie que Brecht a pris soin d'inclure à l'image, ce qui est très intéressant. En tout cas, l'opération revendiquée par Pasolini délègue à quelque chose comme une poésie visuelle, évidemment verbale aussi, je vais en parler, c'est très important dans le film, le pouvoir de mener ce nécessaire essai critique. Poésie visuelle, essai critique. Donc, décodage idéologique d'un côté, mais accompagné d'une Schaukraft poétique, d'une puissance poétique, d'une puissance en tant que le poème permettrait de voir autre chose dans tout ce que montrent sur le mode manifeste les images consensuelles du ciné-journal. Il y a, ce film est plein de, comment pourrais-je dire, de rimes. Il y a des rimes, par exemple. Juste petits exemples, Pasolini montre des visages de traîtres, ce qu'il appelle lui-même des visages de traîtres. Alors ça, ce qu'on vient de voir, ce sont des fascistes espagnols, ça ce sont les syndicats, les gialli, comme on dit en sindicati bianchi, les bianchi, les jaunes, c'est en France. Et j'ai d'ailleurs vu aujourd'hui aux informations télévisées qu'il y a des jaunes à Aulnay-sous-Bois, ils sont vraiment habillés en jaune en plus. C'est assez drôle. Et puis voilà, des fascistes de tout poil, avec une sorte de contre-motif, qui sont ici par exemple ces jeunes gens qui font la fête au moment de la libération à la fin de la guerre d'Algérie. Il sorriso della vera speranza. Cette espèce de beauté inattendue que Pasolini repère ici et là dans ses tournages et dans ses séquences journalistiques, pourtant toutes faites pour ne pas les voir. Voilà. Il y a donc une sorte de courage dans ce film qui consiste à prêter confiance aux puissances critiques et poétiques du montage. Sur un plan, encore une fois, dialectique, je veux dire, un plan critique, celui d'une vérité qui émerge, et un plan, je dirais, un plan de poésie, où la beauté surgit elle aussi. Il y a toute une réflexion sur la beauté, sur laquelle je vais revenir à l'instant. Je passe sur quelques citations. Un essai en rime donc, un essai critique où la laideur accusée, le mensonge pourfendu, question de la vérité, question de l'essai, laisse place aussi à d'impérieux effets
de beauté. Effet de vérité, effet de beauté, et puis les voix. Alors, ceux qui connaissent le film savent qu'il y a, en général on dit il y a deux voix, c'est pas tout à fait vrai. Si on lit attentivement le scénario, il y a trois voix, il y a au moins trois voix, il y en a même quatre en fait, mais disons qu'il y en a trois. La première voix indiquée dans le scénario du film, c'est ce qu'il appelle « voci ufficiali », c'est les voix officielles. C'est-à-dire, c'est soit la voix de l'homme politique qui est enregistrée par le journaliste, soit la voix du journaliste lui-même qui, quelquefois, est là. La voix de l'homme politique, bien sûr, Pasolini va la couper très rapidement et la contredire. Mais il lui laisse cette voix aussi. La deuxième, donc, voix officielle. Ensuite, ce qu'il appelle « voce in prosa ». Il vaudrait mieux traduire en français par voix de prose, voce in prosa, ou voix en prose. Les textes sont lus par l'ami de Pasolini, le peintre Renato Guttuso, qui a une voix dure, une voix très politique. C'est en effet la voix politique, la voix d'une conscience politique. C'est la voix qui critique, par exemple... dans le début, alors là je suis en train de comparer, j'ai fait une comparaison pas à pas du scénario et du film, ce qui ne va pas exactement tout à fait ensemble. Le scénario prévoyait tout un début qui n'existe pas dans le film, où par exemple on voyait le retour des cendres des soldats italiens morts en Grèce. Il y avait donc une voix officielle qui leur rendait hommage, et la voix de prose qui coupait cette voix officielle et qui s'adressait à cette voix officielle en disant oh, « voix sans affect, voix sans pitié, voix de la mauvaise conscience, voix qui les a renvoyés à la mort. » Donc une voix qui accuse l'autre voix. Et puis bien sûr, cette voix de poésie, cette « voce in poesia », la plus importante sans doute dans le film, que Pasolini délègue à un autre de ses amis, qui est l'homme de lettres, Giorgio Bassani. C'est une voix dont la douceur, et souvent la douleur d'ailleurs, tonalité élégiaque beaucoup, vous verrez, contraste fortement avec le tranchant de la voix de prose. Et c'est comme s'il fallait incarner dans les contrastes de timbre et de rythme la double face justement du film lui-même, face politique et face poétique.